Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission Vérité pour Naïkolo, cette émission d'analyse politique, cette émission où nous parlerons de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'actualité à la République démocratique du Congo reste dominée par cette consultation présidentielle ouverte déjà depuis avant-hier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, la question se pose si tous les hommes influents de la République démocratique du Congo, tous ces grands poissons, mesdames et messieurs, répondront positivement à la consultation. C'est ce qui fera l'objet de notre analyse ce matin. Je dis un grand merci à la grande équipe technique costaud, déjà aujourd'hui pour nous tenir compagnie. Merci à toi, Martis Tchamala, qui est au four au moulin, notre réalisateur, avec cette grande équipe de Congo Expérience aujourd'hui au grand complet. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous avais signalé au sommaire, aujourd'hui nous allons essayer, nous avons intérêt d'analyser sur la consultation du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Consultation, et ça différente la concertation. Le président a initié une consultation. Toyoki Marambouébélezo l'Obama, l'élu. Makambouébélezo l'Obama, qui est président, a violé la Constitution. Président a évoqué cette concertation, mesdames et messieurs, à la contre de la Constitution. C'est ça le grand problème que nous allons débattre, analyser aujourd'hui, pardon. Soyons sérieux, mesdames et messieurs. Et qui sont ces gens-là qui évoquent qu'il y a eu violation des textes? C'est le FCC et soi-disant son autorité morale. Mais c'est grave, mesdames et messieurs. Qui nous a enseigné la jurisprudence au Congo? C'est M. Kabila. Il n'a jamais à respecter le texte. Kabila a-t-il respecté le texte T? Et le président vit qu'il y a crise, mesdames et messieurs. Lorsqu'il y a crise, Kabila, pendant son mandat frauduleux, mesdames et messieurs, combien de fois Bengisa concertation? Combien de fois ça la consultation? À chaque fois, Mounia a commis bloqué na pouvoir na à Bengisi concertation. À chaque fois, Mounia a commis bloqué na à Bengisi consultation. Mais c'est ce qui n'est pas le cas pour Félix. Félix, tu sais que dit le président élit. Et lorsqu'un président constatait qu'il y a crise pendant son mandat, la Constitution lui donne l'autorisation, il y a qu'à consulter population. Il y a qu'à consulter Baimboka. Baebanini Bakosala, mesdames et messieurs. Il y a crise dans notre pays. Il y a crise. Ça s'est fait nulle part. Le Premier ministre refuse. Il y a qu'à répondre à une invitation à chef de l'État. Où ça s'est fait? Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat a manqué respect. Le président de la République, dans quel pays? Tous en jungle été. Ce sont déjà ces exemples où ils ont l'acceptation qu'il y a crise. Crise politique. Donc, quand on a besoin de la crise de légitimité. Au Congo, il n'y a pas la crise de légitimité. Crise de légitimité, c'est à une époque à Kabila. Il devait faire 10 ans, il a fait 18 ans. Il est allé au-delà de ces deux mandats. Nakawanande qui a crise de légitimité parce que a violé qui souveraineté à peuple. Nakawan on peut parler de la crise de légitimité. Mais Oyo Toleki na maponomi, le président Félix Tshisekedi a été élu président de la République. Et puis Ngazolo Kabila tia wana Kabila tia Félix c'est un bande konangai. Atia Félix, c'est un. Kabila Atia Félix, pouvoir à Congo, c'est ça le grand problème. Il y a crise politique. Bah, il politique, n'est pas contre la Makambo Tozali. Le président réfléchit.
étant que garant à la nation, étant que garant à bon fonctionnement de l'institution, à lobby, qui est bon guide dans la consultation, société civile, yaka, opposition boya, majorité boya, ma confession religieuse boya, tolo yokana, bo pesa makanisina bino, mbo kezo tambola ndenge nini, to kende na formation ya gouvernement ya union sacrée, 3 ans, o etikali to travailler. Et Kabila ne veut pas de ça. Kabila le sait que la réussite de cette consultation, c'est la fin de son règne. Il le sait très bien. Que si Kabila, Félix Tshisekedi, réussissait sa consultation présidentielle, mesdames et messieurs, à quoi aboutir la formation, il y a gouvernement et union sacrée. Et c'est ce qui mettra fin à M. Kabila na FCC. Naebi Sabino déjà wa. Makanisi nyonso Kabila boya kezala rapo na avancement mboka. Ce qui bomoni Kabila na FCC ba telemeli likambo. C'est que ça n'intéresse mboka. Ce qui omoni ba proposer to ba soutenir. C'est que ça au détriment de la population, au détriment de la République. Mesdames et messieurs, question est bongi to tout na lelo. Est-ce que consultation président a bengisi? Eza avantageuse pour Namboka. Déjà, nous au Congo, nous n'avons pas le respect du texte. Kabila n'a pas respecté le texte. Parlons de l'article 220. Pour faire cesser le lobo zoloba qui a violé la Constitution. Parlons de l'article 220. Qui est considéré comme un article verrouillé. Il y a la Constitution, la Bissou Lobini. Qui est président, que ça a des mandats renouvelables. A Kokyo le Kokendo Delate. La constitution est trop stricte. Kabila a fait combien? Kabila a fait au-delà de 10 ans. Il a fait au-delà de 10 ans. Combien de fois il a violé la constitution, ces messieurs? Aujourd'hui, le FCC prend l'audace d'évoquer le respect du texte. Pendant que lui-même n'a pas respecté le texte. Pendant que lui-même, Oyayaki, a proposé qu'il y ait une constitution en un référendum. Combien de fois Kabila piétiné? Combien de fois Kabila a pandi constitution na biso na mboka? Bande koto ça tout réfléchir. Nous voyons dans ses discours, nous voyons dans ses déclarations, nous voyons ce monsieur Félix avec le peu de pourcentage qu'il a, il se bat pour la réussite de notre pays. Tozo monango bande konanga. Il n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt, nous le voyons. Ça se fait dans tout le pays. Lorsqu'il y a crise politique, il doit y avoir consultation. Atou na ba imboka mboka ezo tambola ndenge nini. Mboka ezo salama ndenge nini. Si réellement nous avons le souci de mettre fin na reine ya Kabila na mboka na biso, peuple congolais, nous devons soutenir Félix Tshisekedi, le président de la République. Nous devons soutenir Félix Tshisekedi. Parce que nous vous signalons déjà que Moïse Katumbi, le 6 novembre, à cause de déjà Kounana Kinshasa, Bakoyambaye, dans le cadre de la consultation, Alinga a porté Pierre Nayo auprès du président. Voilà des gens que nous voulons. Azola qui s'appelle que il ne s'est pas bâti pour ses propres intérêts. Soka Abunda, il a pour intérêt peuple. Approuvé Bissou Yango. Moi, Namboka Martin Fayoulou, il sera là. Nous vous prévenons. Pour Namboka Kindekwepeng, Azoloba, Martin Fayoulou, Rosalate, il sera là. Moi, Namboka Jean-Pierre Bemba, Kozalawana. Déjà, ces trois grands, Yamboka Nabiso, Soki Bazali, je crois que Azola qui s'abissou déjà réussit la consultation. Bande Konanga. Il y a crise dans notre pays. Tous les exemples, le ministre de la Finance, membre à FCC. Ministre de la Finance, membre à FCC. Fouta, enseignant, a bloqué. Tout ça pour faire porter le chapeau à M. Félix Tshisekedi.
Il y a crise. Kabila ne veut pas que Félix puisse avancer dans ses idées. Kabila ne veut pas que Félix puisse réaliser ses ambitions. Nous savons tous les ambitions du président de la République. Toye Bibiso Nyonso, nous savons les enjeux de Kabila et du FCC. Nous croyons à la réussite de cette consultation, mesdames et messieurs. La question se pose. Ce qui consultation est réussie. Et Koko Melabisonengenini. Il y a trois choses, Bande Konanga. Voilà pourquoi nous avons intérêt, nous la jeunesse, nous la classe politique congolaise, nous avons intérêt à soutenir consultation et réussir. Parce que ce qui est réussir, il y a Liboso, le président de la République, Ozana Chouati. Et il y en a trois. Nzela Oyakolanda. Il y a Liboso. Et Bongi a revoir mariage Naina Kabila. Non de koto yo kana poto tambola malam. Wana Kabila tikali na mboka na biso. Ba tikali en coalition. Wana za première possibilité. Deuxième possibilité. Le président koto yo loba ba député nationaux na ba député provinciaux nyonso. La plupart na bango bazana na bango voté té. Il peut se dire ba obité. Lelo Mboka na biso zo tambola bien tete kokio za la kaka si m'individu mo kote azo linga destruction mboka. Na ba groupe parlementaire na bango basangani balobi te to kende sima mo konza mboka. Et en ce moment-là, le président de la République constatera qu'il y a la majorité, qu'il a la majorité au niveau du Parlement. Il peut nommer son premier ministre et constituer son gouvernement pour à travailler dans 3 ans au Etikaliwana. Troisième possibilité, président Koki quoi jure na gangstérisme. A lobby, il n'y a plus le respect du texte. A sali siko moutou makasi, a lobby à dissoudre. Donc à procéder à la dissolution. À dissoudre parlement, à se créer yemoko. Majorité parlementaire, à zongé pas peuple, à renvoyer yé. Majorité pour permettre à Kende à travailler dans 3 ans éthique. Voilà. Mesdames et messieurs, il n'y a pas une autre possibilité. Le chef de l'État a bien réfléchi. Et ça l'a fait ce passé. Parce que depuis consultation et bandit, bah membre a fait ce bah été. Et ça l'a bango passé. Bandit Konangaï. Cette consultation annonce déjà l'échec de M. Kabila. Cette consultation annonce déjà la fin de M. Kabila. Cette consultation annonce déjà. Mesdames et messieurs, la déstabilisation du FCC. Cette plateforme politique est Congo Kola bien privée na bango. Voilà, mesdames et messieurs. Étant Congolais, étant patriotes, nous avons tous intérêt. La consultation du chef de l'État. La consultation du chef de l'État, Bande Konangaï. Tochango Maboko. Parce qu'ils ont une importance, Yamakasi. Ça a une grande importance. Et ça différent dans tout le monde à l'époque à Kabila, Senko, tout ça, c'est différent. Kabila n'était plus président. À cette époque, il y a eu la crise de légitimité. Kabila, mon akesika, qu'aucun état bengi si concertation. Nalisanga, Senko. Ça, c'est autre chose. Mais au moment où nous parlons, c'est lui a réalisé consultation. C'est lui le président légitime. C'est lui. Le lieu du peuple. Yende peuple à Ponaki. Yende peuple à Ponaki. Donc il a droit. Ce qui m'boke zotambola bien te azwa makanisi ya ba imboka. Nde consultation yango wana. Société civile, binobo moni ndenge nini. Confession religieuse, binobo moni ndenge nini. Opposition, bande konanga, bo moni ndenge nini. Majorité présidentielle, tout ça la nini. Bazwili kanisi, moko ba kena. Formation en gouvernement et union sacrée. Nde si kato komo na ba miyibi union se batien na ba ministère. Ba kolongwa. Tozui bato yo ba ko respecter peuple, les gens qui vont travailler pour l'intérêt de notre nation. C'est ça, mesdames et messieurs. Et ba makanisa boye kokyo sa la malam ou te na FCC. Po ba yebi ke dissolution en parlement et ça parmi ba option. Où est comme la consultation Bande Konangaï. Nous devons être derrière le président de la République. Nous devons le soutenir.
Nous devons yakopé sa maboko na biso tous nos soutiens pour le Cambodge réussir. Et nous croyons à la réussite de cette consultation qui va normalement nous amener à la formation d'un gouvernement d'union sacrée où il y aura déjà compétents aux différentes têtes de ministères. Ministre Affaires étrangères, il sait ce qu'il faut faire là-bas. Ministre et PSP, au bâtiment ministre des Transports, yebi normalement au bakoko sala. Ce n'est pas des gens qui viennent à la tête de différents ministères pour s'enrichir. Voilà, mesdames et messieurs. Moi, je crois que le président a eu totalement raison. Ça s'est fait dans tout le pays. Ne confondez pas une consultation à une concertation. Le président a évoqué la consultation présidentielle pour régler la crise politique. Ce que nous subissons au Congo n'est pas une crise de légitimité parce que nous avons à la tête de la République un président élu, décidé et proclamé par la Cour constitutionnelle. Félix Azalaki, dans la Cour constitutionnelle, tous les gens qui travaillaient à la Cour constitutionnelle, c'était les gens de Kabila. Donc nous n'avons pas intérêt, il y a crise de la légitimité, parce que Félix n'a rien fait. Il a été élu, démontré et approuvé par la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a pas la crise de légitimité. Nous devons appeler le chien par son nom. Ou soit, ce qui définit une crise de légitimité, ce que nous subissons dans notre pays, c'est la crise politique. Cette crise doit normalement être réglée par une consultation par le chef de l'État, ou à consulter différentes classes politiques, à consulter comment parti civil, à consulter Imboka, pour aller Makanisinabango. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà. Fais ceci, tika Bamakamunango, wana, et bloqué Mingi. Mais si koyo ngonge koke bongito sala musala. Ngonge koki, bande konangaye. Moi, namboka Félix a telemi. Alobi a ko continue ko travailler na moutoyo, azo bo maba Congolais te. Quelqu'un qui a un passé sanguinaire. Quelqu'un qui a fusillé des Congolais, alobi te. Na kati yango e koyaya. Naza moi namboka. Bande konanga, consultation oyo e ko permettre biso. Ba makanisi ba namboka Moïse Katumbi ba kopesa, ba Jean-Pierre Bemba, ba Martin Fayulu, na bande kwa confession religieuse, ya société civile, to e ba ko régler eza na minembwe. Résoudre ba makambo ezo le kanambo cannabis au notre pays est occupé par les différents groupes armés. Voilà. Ndé loko ko bima na consultation. La consultation a une grande importance. Et nous disons coup de chapeau, chef de l'État. Toboa ke liye ba fleur a kenda liboso et ekosimba. Voilà, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Ekosimba bande konanga. Voilà. Bato yo tokuka ko bangela soki Moïse Katumbi obaki akoya te. Bemba lobi akoya te, mais tous ces gens-là ont répondu positivement. Voilà, mesdames et messieurs. Les camions se sont accanés sous Kanango. FCC est commis à sous Kanango bande Kolangai. Nous reconnaissons maintenant qu'à la tête de notre pays, nous avons un président, un fils du pays. Oyalingi Bola Mwamboka bande Konanga. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre analyse, comprenez, et on nous signale déjà du côté de la régie que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons nous retrouver désormais 3 fois par semaine sur cette chaîne et une émission Nabiso Vérité pour na Ekolo. Ah, tout le baraka vérité. Totali Sakaba Namboka aux intérêts à Congo. L'intérêt du Congo, c'est ça notre souci dans cette émission. L'intérêt du Congo, Nebitumba Nabiso, une émission O. Totali Sibino, importance, il y a consultation. Pourquoi ça fait mal au FCC? Pourquoi ça fait mal à Kabila? Pourquoi Kabila a tenu ma meeting et bélé bélé? Parce qu'il sait que la consultation, c'est un couteau pour lui.
La consultation, c'est une arme pour lui. Oye komema na kunda. Voilà bande konanga. Je dis un grand merci à la grande équipe technique, Ouizala qui costaud pour nous soutenir Bissot. Merci Namartis Chamala, merci pour votre fidélité, merci pour votre contribution positive pardon, sur cette chaîne. Merci, un grand merci à Bibiche Poi, la responsable, la patronne de cette chaîne. Pourquoi pas au président Clovis Moudjani, président Clovis Moudjani, notre manager, le manager général. Merci, président Clovis. Merci à vous tous. Vous étiez très nombreux, coulant des missions à Bissau, de partout, de par le monde. Nous vous disons merci et nous allons nous retrouver plus prochainement pour un autre numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Combien, ministre? Il y a 25 minutes. 25 minutes. 20 minutes. Je suis dans un RT.